Yo la mif, je vous propose de lancer l'intro et on se retrouve après. Just going home, have a late late show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un weekly vlog. Alors, je commence un peu différemment, c'est-à-dire que je commence à la fin de ma semaine. Comme j'ai fait un weekly vlog un peu différent, je voulais quand même adresser un petit message. Donc, j'ai pas fait qu'une semaine, j'ai fait un peu une semaine et demie. Et je vous ai partagé mes révisions du bac, le bac, mon avis sur mes épreuves, enfin écrites. Donc, c'est parti. Lundi, j'ai eu l'occasion de faire ma journée d'appel. Et donc là, je viens de faire ma journée d'appel, donc en pleine période de révision, on adore. Alors, c'était moins chiant que je le pensais, enfin c'est relou, mais je pense que c'est quand même important pour les jeunes qui sont pas au courant de comment ça marche en état, enfin plein de trucs comme ça. Sinon, en fait, ce soir je vais voir Kev Adams qui fait son spectacle test. En fait, il passe à Rouen et il y a des places gratuites. C'est pas marqué que c'est Kev Adams, c'est marqué que c'est un acteur secret, sauf que mes parents sont allés voir hier. Sinon, il faudrait que je trouve dans le prochain temps un petit moment pour réviser le bac quand même, parce que ce serait plutôt utile. Donc Hugo rejoint mon futur gars. J'espère arriver à le séduire. Et comme ça, je pourrais permettre à ma soeur d'avoir une carrière d'actrice. Arrête, filme pas ma coche en moche. Tu sais que tout le monde m'appelle Jeanne d'Arc. C'est pas clair. Tu sais, c'est mes parents qui gèrent. Moi j'ai un planning, tout ça, ils gèrent. Moi, je... Non, non, c'est assez cool, moi, ouais. Le matin pour les réveiller, je crie Ayou. Après, c'est eux qui gèrent. Bah, les amis, voilà, merci infiniment d'être venus. Passe. Madame, vous voyez qu'entre nous, il y a un problème. Venez, venez. Faites-la. Et mademoiselle. C'est bien, c'est dur comme madame. Ouais. J'ai cru que c'était rien. C'est rare, moi, quand je vois une animation qui m'envie. Une certaine forme de sagesse. D'abord, on essaye plein de trucs, on a tendance au début à suivre sa passion, à faire plein de trucs qui nous intéressent, c'est naturel, et puis au fur et à mesure du temps, on essaie de trouver les autres cartes, les autres pièces du puzzle, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'on est bon, et ça, ça vient d'être à trouver le sens. Et aujourd'hui, le sens, c'est vraiment, à mon avis, ce qui... Coucou tout le monde, on est mardi. Là, j'ai un peu rangé ma chambre, et donc je vais vous parler vite fait du spectacle hier. J'ai pas pu beaucoup vous filmer. Parce que il voulait pas faire. En fait, on était vraiment une toute petite salle, j'étais au deuxième rang. Et comme c'est censé être un spectacle qui sortira dans un an, il nous a dit oui, je tiens pas à ce que ça apparaisse sur les réseaux. De toute façon, j'avais pas beaucoup filmé, j'avais surtout profité. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir l'année prochaine. Clairement, il y a des petits trucs assez drôles, genre. Je me suis sentie un peu visée des fois, mais il est vraiment super cool, il interagit vraiment avec le public. Il est comme on voit en vrai. Enfin, comme on voit sur les réseaux et tout, enfin, il est vraiment adorable. Là, j'étais vraiment trop contente. En plus, c'était gratuit. C'est un bon point. Mais c'était vraiment très, très, très cool. Ensuite, durant la semaine, j'ai passé ma petite vie normale. Et j'ai révisé, évidemment. Les gars, je vous retrouve bien plus tard, mais je voulais vous montrer un peu de déco que j'ai fait dans ma chambre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant j'avais une sorte de rangement rose ici avec des livres, donc je vais vous le montrer. Il est là et j'en avais un peu marre, donc j'ai plutôt mis quelque chose de plus sobre qui vient de chez Action, donc c'est une sorte de rangement qui se monte. Ma mère l'a payé 20€, donc c'est pas très cher. J'ai remis mon affiche de Sirius Black pour pas que ça fasse trop vite. Et ensuite ici j'ai mis pour les révisions, donc la vision, nourrir les hommes, féminin masculin,
vidéo soit réalisée, enfin bref, tout ça. Et ici j'ai mis une petite phrase qui m'inspire pendant mes révisions, mais je crois qu'elle m'inspire pas beaucoup parce que je révise pas assez, donc... Je vais pas vous mentir, ça a pas toujours été facile de réviser. Yo les gars, en fait, j'arrive pas à réviser. J'ai l'impression de savoir déjà tout, enfin, avec le bac blanc et tout, à chaque fois je révisais de ouf. Et donc, je sais pas si en fait c'est parce que j'arrive pas, genre je me trouve une excuse. Des routines de révision sur YouTube, hein, mais après, quand il faut vraiment réviser, c'est un peu plus compliqué. Il y a tellement de gens chez moi, c'est pas possible. Même qui tend à s'élever vers l'idéal, à s'élever vers la beauté. Et en même temps, c'est un poème horrible qui exprime une fascination tout à fait morbide pour la putréfaction, pour la mort. Au détour d'un sentier, une charogne infâme survient. C'est sympa, dis donc, les lectures analytiques. Yo les gars, faites pas gaffe à ma tête, je viens de me lever. On est samedi. Je vais juste vous montrer mon petit déj que je me suis fait. Pour avoir plein d'énergie pour réviser, on y croit. Tout d'abord, je me suis fait une sorte de muesli, flocon d'avoine, date, banane séchée, vanille et un café. Voilà, voilà. Mais voilà, j'ai fini par passer mon épreuve de français. J'avais des doutes, enfin, je vous laisse avec mes impressions sur le coup et la veille, car j'ai fait des pronostics et vous allez voir, ils étaient pas si mauvais. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi. Tous les terminales sont en train de mourir devant leur philo. Donc je passe le bac de français écrit dans quelques heures. Je pense qu'on va tomber sur le théâtre ou l'argumentation. Parce qu'en fait, romans dans... hors métropole, ils sont tous tombés dessus. Et ça m'étonnerait qu'ils nous mettent le roman. Ensuite, poésie, ça me semble trop simple. Genre, ça devait déjà être la poésie l'année dernière. Je crois qu'il y a eu un problème. Mais la poésie, c'est tellement pas tombé depuis longtemps que s'ils mettent la poésie, genre, c'est trop évident. Et voilà. Moi, perso, j'aimerais bien tout sauf le roman, en fait. Coucou tout le monde. On est le lendemain du bac. Je suis désolée, la lumière change. Ma tête est un petit peu... Voilà. Donc... Hier, j'étais tellement fatiguée que flemme de filmer pour vous raconter. Alors, j'avais bien réussi mes pronostics, c'est-à-dire que c'est tombé sur l'argumentation. C'était sur la souffrance animale, donc ça, j'étais archi contente. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Les L, ils ont eu des textes sur les femmes, écrits par des femmes. Enfin, je trouve, cette année, ils ont vraiment fait des textes qui avaient un sens, quoi. Ils ont pas juste choisi des textes pour saouler tout le monde. Enfin bref, c'était une bonne idée. Je savais pas quoi choisir entre dissertes, commentaires. Je restais limite 40 minutes à faire les deux plans en me disant merde. Au final, j'ai choisi commentaire. Je me suis dit, ouais, il y a plein de gens qui vont prendre dissertes vu que c'est pas super dur. Et puis, je sais pas, genre le commentaire, je me suis dit, ça va enfin, plus me guider. Je vais pas partir dans n'importe quoi. Au final, j'ai fait des erreurs, genre bêtes. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu l'impression d'arriver à donner mon maximum. J'arrivais pas à réaliser que c'était trop le bac. Je sais pas du tout quelle note je vais avoir, enfin je pense pas avoir en dessous de la moyenne, enfin j'ai quand même fait pas un hors-sujet, j'ai pas dit n'importe quoi, mais après voilà j'ai pas eu énormément de temps pour me relire, enfin franchement. Enfin donc aujourd'hui j'ai passé le bac de sciences, ça s'est plus ou moins bien passé, c'est-à-dire que j'avais un peu révisé hier, enfin quand même hier et puis durant l'année. Au final ça va rien de réviser, c'était que de la lecture. Juste en fait je me suis cassé la tête des fois pour des trucs débiles. Parce que c'est vrai que les sciences en vrai c'est pas dur, mais comme ça te paraît tellement simple, parfois t'y arrives pas. Et donc là, il y avait un truc genre, fallait juste faire 20 x 40 pour trouver 800. Mais c'est hyper simple, sauf que je sais pas, je me suis compliquée donc j'ai pas réussi. Voilà, j'aurai maximum 19. Après voilà, enfin on va pas en OS pour faire des sciences, toutes les personnes qui nous jugent sur... Sur Twitter, vous êtes mignons, mais j'aimerais bien vous voir avec 5 heures d'histoire de géo par semaine,
un co-F7 en SES, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu, il était un peu différent d'habitude, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression d'avoir quand même plus ou moins quand même assez bien réussi mes épreuves écrites. Je vous donnerai mes notes dès que je les aurai. La semaine prochaine j'ai l'oral, mais je pense pas faire de weekly vlog parce qu'il y aura clairement aucun contenu. Je vous fais de gros bisous, j'espère que mes vidéos vous plaisent et bye la mif, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bisous les amis.